Lisons dans 2 Chroniques le chapitre 16. Mais la mienne, les chroniques avant le verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir, pour aider, pour promouvoir, pour propulser ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est un cœur à moitié consacré, il faut savoir que Dieu ne va jamais te soutenir. Ça veut dire que Dieu veut soutenir n'importe qui sur la planète Terre. Mais s'il n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'il ne trouve pas des gens avec le cœur totalement à lui. Il veut soutenir les cœurs qui sont en entier. Yves, les cœurs qui sont en entier à lui. Est-ce que celui qui vient en retard, son cœur est en entier à Dieu? Parce qu'il a coupé une partie du temps de Dieu. Ce dont le cœur est en entier, ce dont le cœur est en entier à lui. Ce dont le cœur est tout entier à lui. Pas seulement le cœur entier, mais le cœur tout entier. Tout entier. Parce que Dieu ne peut jamais venir soutenir quelqu'un avec un cœur partiel, avec un engagement partiel, avec une bénédiction partielle. Toujours ceux qui ont eu part aux bénédictions de Dieu, ils ont été toujours bénis. Au-delà. Parce que Dieu se donne totalement pour te bénir totalement. Le cœur entier bénéficie du don entier de Dieu. Quand le cœur tout entier à Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, tout ce que nous déployons est tout entier à lui. Personne ne peut servir Dieu avec un cœur tout entier et ne pas être soutenu par Dieu. Américain tombe le que la souveraine au club est jiblibo et Mahoma dit mais bien appelé nous. Ceux qu'on appelle les justes, c'est ceux qui font les choses totalement. Ils se sont repentis totalement. Ils aiment Dieu totalement. Ils louent Dieu totalement. S'il donne, il faut savoir que c'est ça. C'est-à-dire, il a donné tout ce qu'il peut donner. Il n'a pas besoin d'être forcé. C'est tout son être qui bouge vers Dieu. Parce que le cœur entier draine toute la personne entière. Le tout de l'homme attire le tout de Dieu.